Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Coucou à Christelle, évidemment, déjà prête pour m'envoyer vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler mission de vie avec les anges. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Hudson. Catherine, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, bonjour Philippe, je suis ravie d'être là avec toi. Alors Catherine, faut bien commencer par une question, hein. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler de comment tu en es arrivée vers ce chemin de la spiritualité? Quel a été l'élément déclencheur? Parce qu'il est intéressant, je l'ai lu dans ton livre. Avec plaisir. Oui, en fait. Quand on n'est pas sur le bon chemin, parfois il y a une intervention qui fait en sorte qu'on puisse se caler avec le chemin qui est vraiment le nôtre. Et effectivement, il y a très longtemps, c'est plus que 20 ans maintenant, j'étais banquière. J'étais pas contente, mais j'étais banquière à New York, en pleine Manhattan. Et je travaillais pour une banque avec l'envie éventuellement d'être expatriée en France. J'ai tout fait pour venir ici, mais bon, ça marchait pas trop. J'étais pas trop contente. Je faisais un peu la fête. Je te Je suis comprends. irlandaise. Et d'ailleurs, les personnes sensibles souvent utilisent alcool ou drogue pour diminuer la sensibilité dans un monde qui est dur. Je savais pas que je faisais ça, mais je faisais effectivement ça. Donc, un bon jour, j'avais un peu gueule de bois et j'étais à la banque le matin et j'ai décidé, OK, je me sens pas bien, mais je vais essayer d'éviter des clients. Et il y avait une dame qui est venue dans la banque face à la gare Grande Centrale à Manhattan. Elle est venue dans la banque vers 10h30. Jusqu'à là, j'avais de la chance, pas de cliente. Mais là, j'ai vu qu'elle tournait pas vers les caissières. Elle est venue vers l'espace où on faisait des choses officielles. Il y avait moi qui voulais pas travailler et deux banquiers à côté de moi qui étaient en compétition pour les clientes et qui déjà faisaient signe qu'elles viennent vers eux. Donc, j'ai dit, OK, je vais juste me cacher. Et comme ça, c'est fait, chose faite, je suis calme. J'ai quitté la chaise, j'ai tourné vers les dossiers, les tiroirs derrière moi avaient des dossiers en papier, donc ça date un peu. Et j'ai tiré, c'était le tiroir le plus bas, donc en quelque sorte, j'ai donné mes fesses à cette personne qui venait. Mais chose étonnante, elle n'a pas accepté l'invitation des autres banquières. Elle est venue vers moi directement et elle m'attendait. Et n'est-ce pas parfois quand quelqu'un nous regarde de dos, Ah on ressent, bah, j'ai dit, bah, non, elle ne mourra pas, celle-là. Donc, comme des animaux dans la nature qui veulent effrayer des prédateurs, j'ai commencé à faire des bruits. Ah, shit! Ah, comme quoi, je cherchais pas, mais je trouvais pas quelque chose d'important. Il fallait pas m'interrompre. La dame, courageuse, elle s'est mise dans la chaise à côté de mon bureau pour m'attendre. Dans ma chaise. Et là, j'ai dit, ah, celle-là, elle a une paire, disons. Elle a Je du viens du culot. Bronx, mais c'est ça. Et d'où je viens, quand même, si quelqu'un s'affirme, bah, ça se respecte. Donc, je dis, OK, je dois faire avec cette personne-là, mais je ne suis pas contente. Donc, je me suis redressée, tournée vers elle, tendue la main. Disons, bienvenue à la banque, je suis Catherine Hudson, comment puis-je vous aider? Et elle n'a pas pris ma main. Elle a répondu, non, je suis là pour vous aider. Et elle a mis dans ma main cet améthyste-là, disons, en disant, ça va vous aider avec vos addictions. Toute ma vie, j'avais une langue de vipère cultivée dans les rues du Bronx. Ah, Eh là, pour la première fois, j'avais pas une réponse. Pourtant, la tête cherchait. Mais finalement, elle essaie de me le vendre. ah oui. C'est la seule chose que je pouvais imaginer. Donc, j'ai levé la tête pour dire, excusez-moi, madame, on est sérieux ici. Elle était déjà à la porte.
de la banque. Elle était déjà en train de quitter. Donc, une dame que j'ai jamais vue avant et jamais vue après. Jamais vu après. Est venue dans la banque pour m'offrir ce cristal et le message qu'il fallait que j'entende. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, j'avais tellement peur. Ça m'a complètement déstabilisée. La journée était un peu ça. Et je le mettrais dans le tiroir. Et puis, je le sortais. Et puis, je mettais dans le tiroir. Et puis, je le sortais. Ben, bien évidemment, c'était trop bizarre, cette expérience. Ça m'a déstabilisée. Je n'étais pas confortable avec ce qui s'est fait par la suite, par contre. Ben, les pierres ne sont pas magiques. Dans mon autre livre, « Agir avec les cristaux », j'en parle. C'est nous qui le sommes. Et donc, une pierre peut nous aider à changer des choses, mais que si on a envie. Donc, tout de suite, ça n'a pas changé des choses tout de suite. Par contre, ça m'a réveillée. Ça m'a rendue consciente du fait que je suis allée tellement loin en égarement de mon chemin qu'une personne que je ne connais même pas est venue. Je savais que c'était en quelque sorte intervention. Mais je cherchais, je n'ai jamais trouvé qui a envoyé, j'ai une petite idée quand même, qui a envoyé cet ange, cette personne qui est entrée dans la banque. Après cela, j'ai commencé à me comporter plus raisonnablement. Doucement, doucement, j'ai eu une opportunité de quitter New York, donc quitter le contexte qui collait un peu. Et j'avais une proposition de position ici en France. C'était 2 ans après. Donc les choses ont enchaîné assez vite par la suite. Mais chaque fois que je bougeais, chaque fois que j'avais quelque chose, j'ai retrouvé par hasard cette pierre. Mais c'est ça. Et dès que je suis arrivée en France, ça ne me quitte pas. Ça. Je sais, j'ai l'impression qu'un jour on va me demander de l'offrir à quelqu'un d'autre. On verra bien. Est-ce que tu avais conscience de ton chemin de vie qui t'a mené jusqu'à, ben jusqu'à moi maintenant? Est-ce que tu en avais conscience avant de rentrer à la banque? Est-ce que tu avais quand même tu t'intéressais à la spiritualité, à tout ça? J'étais très sensible enfant. Et le seul endroit où j'étais à l'aise, c'était à l'église. Même à la maison, j'étais pas à l'abri de tout danger. Donc, effectivement, c'était le seul lieu où je me sentais confortable. J'ai ressenti toutes les énergies autour. Chaque messe, pour moi, j'étais en larmes. Je comprenais pas comment les autres ne voyaient pas ce qui s'est passé. Donc, j'avais une très grande sensibilité. J'étais accompagnée, même très petite. Par contre, au fur et à mesure, avec des expériences adolescence et les drogues et l'alcool, ça commence très tôt dans ces zones-là. La dureté de la vie a fait en sorte que j'étais en colère. Et je me suis... Autant que possible, j'ai essayé de devenir dure du Bronx. Ah ouais. Je ne l'étais jamais. Mais c'était un peu nanana, j'étais trop en colère. Donc, la petite qui voulait être prêtre ou missionnaire quand j'étais petite, je me suis éloignée de tout ça. Par contre, je savais que je n'étais pas à ma place et je savais que ma place était plutôt au service. Mais la colère faisait en sorte que j'ai fait des bêtises pendant très longtemps. En fait, le livre que tu as fait, réalisé votre mission de vie avec les anges, tu l'as fait un petit peu pour les gens qui, comme toi, se sentaient perdus. Bah, c'est vraiment pour ça. Moi, je veux dire qu'il y a très peu de personnes qui sont aussi égarées que moi, je l'étais. Mais je parle avec beaucoup de gens et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voir, se reconnaître dans la phrase « je ne suis pas à ma place ». Et ou c'est dans une relation, ou c'est le job, ou c'est le corps. On sait qu'on n'est pas à sa place. La bonne nouvelle que je présente dans le livre, c'est que si on sait qu'on n'est pas à sa place, ça veut dire qu'il y a une place qui nous appelle. Ouais. Et alors, en quoi les anges ont un rôle à jouer sur notre mission de vie? Toi, bon, on a bien vu, mais bon, les anges, ils travaillent pour tout le monde.
On est d'accord. Et j'espère que c'est clair dans le livre que on peut ou faire ce travail, parce que le travail dans le livre, c'est vraiment, c'est le stage réaliser votre mission, mission de vie, but de vie, mission d'un but de vie que je propose en individuel ou groupe. C'est possible avec ou sans les anges. En fait, nous sommes les enfants de la source, les enfants de Dieu, si on veut. Et nous sommes très, très puissants. Par contre, la beauté de faire le chemin avec les anges, c'est ce message qu'on n'a pas à tout faire toute seule. Et donc, on peut faire tout ce qui est dans le livre, vraiment avoir ces prises de conscience et tourner le bateau de notre chemin, de notre être et de notre vie dans un autre sens, ou on le fait toute seule. Mais pourquoi le faire toute seule? Donc, je trouve que les personnes qui sont attirées vers les anges, c'est parce qu'au niveau d'âme, il y a une connexion et c'est prévu. Et il y a des personnes qui ne sont pas attirées du tout dans ce sens-là. Et c'est tout simplement, ce n'est pas juste pour eux. Donc, le livre présente toute possibilité. Alors, Et comme je tiens. alors tu dis croire que nous n'avons pas. Alors, c'est. Attends. Alors, je vais dire la phrase que tu avais. Enfin, alors, attends, je vais la trouver parce que je n'ai pas envie de écorcher la phrase. Alors, de croire que nous n'avons pas de choix est en fait un choix. Ça m'a. Est-ce que les anges nous poussent quand même à croire que l'on peut choisir? C'est justement un petit peu ce que tu venais de dire. Tu vois, toi, tu savais que tu avais peut-être le choix à un moment de partir, de faire ta mission de vie. Mais si les personnes n'entendent pas ça, est-ce qu'on nous pousse quand même vers Oui. notre chemin de vie? Oui, je trouve que, et où on attribue ces choses-là à nos anges gardiens, l'accompagnement du divin autour de chacun et chacune de nous, où on l'appelle coïncidence ou hasard, je trouve que quand on s'égare de notre chemin, c'est notre âme aussi qui fait en sorte qu'il y a des hasards, des rencontres, des Les possibilités, des doigts. synchronicités. Ouais, voilà. Les synchronicités, c'est le mot juste, merci beaucoup. Des portes qui ferment sont souvent une manière d'essayer de nous ramener vers le chemin qui est le nôtre. Et bien sûr aussi les portes qui s'ouvrent. Mais effectivement, il y a une série de hasards qui ne le sont pas, parce que le hasard, j'ose dire, je filtre rien, vous prenez pas. Mais effectivement, il n'y a pas de hasard. Il y a comme une autocorrection à chaque pas, et comme une GPS, si on s'égare beaucoup, le chemin peut être un peu détourné, mais l'appel est toujours là, c'est jamais trop tard. Et la beauté du truc, c'est que notre libre arbitre est respecté. Donc, ce n'est pas un destin gravé qui est, on n'a pas de choix, c'est comme ça, tant pis. C'est beaucoup plus une création. Ou une co-création, si on veut, en alignement avec notre âme. Est-ce que le chemin de vie peut changer en cours de vie? Parce qu'on a choisi, on l'a choisi avant notre incarnation, a priori. Est-ce qu'il peut Oui. changer quand même? Il peut y avoir un basculement et puis les anges nous aident vers un autre chemin. Absolument. Moi, j'ose dire que l'objectif de vie, dans une expression vaste, est clair. Et ça, normalement, ça change pas, parce que c'est pour ça que l'âme a choisi de venir et a choisi cette forme-là. Mais les façons dans lesquelles ça s'exprime, ça peut changer. Et ça peut changer, mais énormément. Je suis un peu preuve de cela. La beauté, c'est de reconnaître que l'image qui me vient, c'est comme une chenille. Et une chenille, il a beaucoup d'énergie là, il va s'étirer pour avancer. Donc, le mouvement, c'est un peu comme ça. D'accord. Et donc, beaucoup d'énergie, création, intégration, et puis ça peut être une autre direction, création, intégration. Donc, ouais, donc la première chose que je veux faire, c'est dire, c'est que le mouvement global est unifié, mais les expressions peuvent être multiples et surprenantes. Hein?
C'est ce qui rend la vie tellement juteuse. Tout à l'heure, tu parlais de GPS. Alors, pour suivre ce GPS, c'est ce que tu appelles le flux, c'est ça? Le flux, Le le flux. flow. Ouais, dans ton livre, tu parles du flux. Ah oui. C'est le mouvement le plus fluide. D'accord. Donc, c'est retrouver le flux ou le flow. C'est le mouvement d'énergie qui va nous réintégrer, réaligner avec la plus haute. Parfois, ça s'appelle aussi le sweet spot. Ça se sent. C'est même physique. On dit, oh, ça, là. Et ça se reconnaît. C'est l'inverse de la phrase où on est quand on dit je suis pas à ma place. Donc, l'invitation dans le livre, c'est aussi de reconnaître que notre corps, la ligne directe vers notre mouvement le plus fluide, c'est facilité quand on est en connexion avec notre corps et nos ressentis. Ouais, le flux. Le flux, et tu parles aussi du wheat spot. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler, ça? Ouais. Le sweet spot, c'est le lieu de douceur. La phrase vient du sport. Je suis un peu sportive, un peu beaucoup à la folie dans ma vie. Et si, mais j'apprends à jouer au tennis. Et au centre de la raquette, ouais, il y a des choses où on commence tard parfois. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de souci. Non, non, j'adore. Il y a un espace au centre de raquette que si la balle touche la balle, ça va de soi. Un club de golf a la même chose et un bat de baseball a la même chose. Il y a un lieu, si ça touche, de soi, énergétique. L'énergie fait en sorte que ça va loin, loin, loin. Donc le sweet spot, c'est un peu ce que je voulais dire quand je dis ah, oh, quand on est bien. Ou avec une personne, ou avec un travail, ou avec notre corps. On sent quand c'est juste. Ça, c'est le sweet spot. Et le livre est fait pour nous aider à retrouver nos sweet spots si on s'est égaré de cela. D'accord. Et si on a l'impression que notre flux ou le sweet spot nous pousse vers des trucs pas très moraux, ça peut arriver ça, alors qu'on se sent bien dans des trucs pas très moraux, je ne sais pas moi, la drogue, etc. On se sent bien quand on va là-dedans. Après, peut-être qu'on se sent mal, mais voilà, il y a quand même y a du bonheur là-dedans. Qu'est-ce que Oh. comment faire la différence et comment ne pas plonger dedans? On va pas dire comme c'est les anges qui nous poussent à nous droguer. Non, non, non. Mais dans la question, tu as touché sur quelque chose. Tu as dit au début, c'est du bonheur, Ouais. peut-être après, ce ne l'est pas. Bah parce que oui, parce que je voyais que j'allais trop loin. Effectivement. Donc, comment on peut dire, chaque expérience de notre vie, même des expériences que le monde juge négatives, comme se droguer, etc., chaque expérience sert à quelque chose. Et donc, une première expérience, ça peut élargir l'esprit. J'ai fait des trucs avec des chamans. Même la première fois que j'ai fumé un joint, la vie chez moi était tellement dure que ça m'a fait du bien. Ouais. Maintenant, on le donne aux personnes qui souffrent des maladies comme le chimio avec le cancer et tout ça. Donc, mettre quelque chose, peu importe l'expérience, dans un cadre pas bien ou bien, je trouve que c'est pas très aidant. Mais une fois que ça devient trop, donc tu peux utiliser ton exemple, là, encore une fois, on s'égare même davantage. Donc, si on s'égare un peu et on se retrouve, maintenant j'ai eu l'expérience, j'ai les leçons là-dedans, j'ai acquis des compréhensions. Et d'ailleurs, je vais vous dire que je sais pourquoi je me suis égarée beaucoup en certaines zones comme ça avec les addictions. Maintenant, je suis merveilleusement placée pour accompagner les personnes qui passent par là, par exemple. Donc, tout ce qui nous appelle va servir. Si on peut juste résister la tentation très humaine de juger que c'est mauvais ou c'est bien, la culpabilité surtout, c'est toxique, toxique, toxique de chez toxique. Donc, à éviter à tout prix, même, ouais.
Je vais arrêter là Non, alors. non, mais il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est une excellente question. Alors, techniquement, je sais que tu montres pas mal d'exemples dans ton livre. Ouais. Comment s'assurer une bonne connexion avec nos anges? Comment on peut faire? La première chose que je dis en réponse à cette question, c'est que une fois qu'on a l'intention de faire ça va être impossible de le rater. Parce que les anges, nos anges, la présence gardienne est là rien que pour vous, rien que pour nous. Ils attendent que ça, ils existent pour ça. La présence gardienne s'engage, c'est la source qui s'engage envers nous avant notre naissance pour soutenir notre mission. Donc, à la base, ils sont jusqu'au moment où on les appelle, parce que notre libre arbitre est respecté, ils ne peuvent pas venir nous porter vers l'après sans qu'on demande. Avant qu'on demande, ils sont un peu. Ils envoient des petits signes, assez, bah, parfois des gros signes, parfois la personne est têtue, donc ça Ils prend une pierre. sont contents quand ils voient qu'on comprend, qu'on comprend. Ils voient qu'on oula, je ne peux plus parler. Quand ils voient qu'on comprend leurs signes qui nous sont envoyés. Mais oui, c'est là où le voile devient plus fin. Imagine si on attend des années. Eh oui. Bon, le temps n'a pas le même sens pour eux, donc j'exagère. Mais il y a une joie qui se libère quand on se libère vers la connexion qui existe déjà. La seule chose qui bloque de notre capacité d'être en connexion, et ça c'est pour tout le monde, c'est à quel point le mental est engagé. Parce qu'on se juge, je ne suis pas à la hauteur, ou on se juge, ce n'est pas vrai, on se juge. Le mental est formé par un monde qui comprend très peu. Et donc, trouver la capacité du silence, ça nous emmène très, très vite dans ce flux et vers ce sweet spot. Alors, tu dis qu'il vaut mieux demander de l'aide à nos guides ou anges gardiens plutôt ben, qu'aux défunts, qu'à nos chers disparus. Et Ouais. pourquoi? Ils ont plus de pouvoir là-haut, les Bah, anges? ce que je vais dire, c'est que il y a une unité, il y a un sens d'unité. Une fois qu'on quitte la séparation individu, les formes individuelles, on se rejoint à la source. Mais les âmes, sauf ceux qui sont déjà complètement alignés avec la source, donc les maîtres ascensionnés, illuminés, etc. Les âmes vivent vie après vie. Donc, pourquoi demanderais-je à mon père, qui ne voulait jamais que je sois avec qui que ce soit, et il est parti en colère en tout cas. Donc, j'imagine que son chemin va continuer. Je vous aime, mais on sait que c'est vrai. Et donc, pourquoi, si j'ai envie d'être sur le plan affectif, je ne vais pas demander à mon père? Je vais aller directement à la source. Et les anges, c'est une expression de la source. Ouais. Donc, pourquoi demander à quelqu'un qui est un esprit qui chemine toujours si on peut aller à la source? On a Bon, accès à les deux. on se dit des fois que bah, une fois que les défunts bah, ils sont là-haut, donc ils ont un certain recul pour peut-être nous aider, comme ils nous connaissent très bien, on se dit peut-être que eux seuls peuvent nous aider. C'est pour ça. Oui, je comprends pourquoi on l'imagine, Oui. mais moi je tiens à aller vers l'experte. D'accord. Par contre, je trouve que c'est une très bonne idée de connecter avec les défunts, surtout s'il y a des choses qui n'étaient pas réglées, pour notre bien-être et pour le bien-être de l'âme aussi. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans la foi, l'Église catholique, et on a dit qu'il faut aller prier pour les âmes des personnes qui étaient défuntes. Bah, ce que je dirais maintenant, pour moi, une forme de prière, c'est bah, je parle à mon père, je parle à ma mère. On est au courant maintenant de la perspective de chacune et chacun. Et donc, il y a une harmonie qui s'installe, qui me guérit. Mais aussi qui libèrent certains poids sur leur chemin karmique. Donc, on chemine ensemble.
D'accord. Mais si je cherche un coach, ben, je vais tout avoir. Et dis-moi, tu énumères un petit peu tous les anges, un petit peu leurs fonctions aussi. Est-ce qu'on peut te demander de l'aide en général? Est-ce que c'est aussi efficace que si on appelle Raphaël pour un problème de santé ou Gabriel pour un problème de communication? Si on demande en Ouais. général l'univers, ange, enfin, est-ce qu'ils prennent l'initiative de venir nous aider? Bah, tu connais la réponse, c'est oui. Mais ça, Je, non, c'est. non, mais je réponds parce que c'est une excellente question. En fait, qu'est-ce que ça sert à quoi savoir les noms? Ça nous aide parce qu'en tant qu'être humain, pour être en connexion, c'est quoi la première chose qu'on dit quand on rencontre quelqu'un? Je suis Catherine et toi? Et vous? Philippe. Non, non, bah, je tutoie tout le monde. Mais effectivement, on donne le nom et on prend le nom et ça crée un lien. Donc, les noms sont pour nous. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, toute expression, tout ange et archange fait partie de la source. Donc, si, comme ma mère, bonne Irlandaise de forte foi, avec sept enfants qui étaient fous chez elle, bon, et mon père, sorry, maman. Mais quand elle a, d'une manière très dramatique, a dit, Oh mon Dieu, donnez-moi la foi, donnez-moi la force, ben, c'est Michael qui répond. Ou quelqu'un qui est malade, Oh mon Dieu, donnez-moi la guérison, c'est Raphaël qui répond. Donc, absolument, on n'a pas besoin de ces noms. Moi, je les présente dans mes livres parce que je trouve que ça m'a aidé tant. De tisser des liens avec ces puissances concentrées, ces qualités divines concentrées que je le propose autour de moi dans mes livres et dans mes stages. Alors, quand on fait une demande, est-ce que dans quel état il faut être? Est-ce qu'il faut être bon, c'est la sincérité, je suppose. Est-ce que Ouais. à un moment tu parles de l'importance de l'enfant intérieur aussi. Est-ce que ça aide aussi à la communication avec son ange? Je sais pas moi. Oui, la sincérité, l'innocence, enfin je sais pas, la cupidité, enfin je sais pas, enfin, bref. Non, 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 j'adore. Déjà, dans un premier temps, je me demande s'il y a des personnes qui essaient de parler aux anges d'une manière pas sincère. À quoi ça servirait? Donc, déjà, avant qu'on mette un mot dessus, ils savent les envies de notre cœur, les désirs, la tendance qui s'exprime de plus en plus. Ils savent qu'on s'attire vers eux. Donc, la sincérité, c'est une donnée. D'ailleurs, leur façon de nous voir, c'est la façon de Dieu de nous voir. Donc, l'innocence est. Je trouve que être en connexion avec l'enfant à l'intérieur, c'est vachement intéressant pour cela, parce qu'on peut laisser tomber toute idée de culpabilité où je suis pas à la hauteur et tout ça que le monde a imposé sur nous et qui n'est point vrai. Donc, les enfants, naturellement, sont au courant que les anges sont autour de... On laisse tomber les anges au fur et à mesure, normalement aux alentours de l'adolescence, la période où on commence à en avoir besoin. C'est bizarre, ça. Mais effectivement, l'envie du cœur, c'est la seule chose qui est vraiment nécessaire pour s'ouvrir à la communication angélique. Après, il y a des rituels, il y a des protocoles qui nous aident à calmer le mental pour qu'on puisse capter. Est-ce que ce sont si importants ces rituels? Ou c'est vraiment ces rituels qui nous servent vraiment, comme tu viens de dire, à calmer le mental pour avoir une connexion peut-être plus fluide avec les anges? Le rituel est important autant que c'est nécessaire. Donc, si on imagine le rituel, tous les rituels dans tous mes livres sont des outils. Et si je n'ai pas besoin de l'outil, ce n'est pas nécessaire. Donc, imaginons, il y a un fleuve devant nous et il n'y a pas de pont, mais je vois un kayak. Je vais prendre le kayak et l'utiliser pour traverser le fleuve. Après que j'ai traversé, je continue mon chemin, je ne continue pas à le porter. Donc, effectivement, le rituel, je l'utilise pour traverser le fleuve jusqu'au moment où j'ai plus besoin. Et à ce moment-là, je peux laisser tomber. Je vais dire que le rituel de base que je propose dans tous mes livres pour ouvrir le canal entre terre et ciel, je l'utilise quand même. Même quand je suis ouverte, je ne le fais pas plaisir.
pas de la manière aussi longue, mais je reste dans la conscience de cette fluidité. Mais tout rituel est que ça. C'est l'intention qui crée et le rituel qui soutient l'intention. C'est-à-dire qu'une fois que notre intention est tellement forte, qu'on crée consciemment avec, le rituel devient moins important. D'accord. Et sur le plan personnel, est-ce que tu te sens, toi, personnellement, donc connecté en permanence avec tes anges? Est-ce que tu engages des discussions? Est-ce que les réponses sont toujours au rendez-vous? Est-ce que tu dis ça? Ils sont toujours avec toi, quoi. Ouais. À un point que parfois c'est un peu, j'oublie quand je suis avec des personnes. J'enseignais le Reiki, l'exemple qui me vient, j'enseignais le Reiki à un prêtre aux États-Unis. Il avait à l'époque 70 ans. Et on a terminé la journée et je cherchais mes clés et je trouvais pas mes clés. Et j'ai dit à haute voix en anglais, a little help here, donc en français, un peu d'aide. Hein? Et il était derrière moi, il a dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je ne parlais pas avec vous, mon père. Ah bon? Mais c'est que nous ici? Non, mon père. Il a dit, vous parlez avec qui? Ben, les anges. Ah bon? Par la suite, il a fait le stage Agir avec les anges et Bon? la création angélique. Très intéressant. Parce que l'Église a oublié que les anges, on parle de ça à Noël. Et pas ça. Mais effectivement, il a trouvé ça. Mais effectivement, je dois me freiner. Hein. Mais je me freine plus. Je ne freine Mais tu plus. parles Tant toujours. pis pour. Je parle avec. Ouais, Toujours à haute ce voix? sont. Toujours à haute voix, tu Pas clames souvent à ton haute aide? voix. Une demande d'aide? Bah, je ne fais pas quand ça va faire peur. Mais on était ce jour-là dans l'exemple, on était dans l'énergie très haute toute la journée, donc je faisais pas gaffe. Non, j'essaie d'assurer que je ne fais pas peur. Je sais que ma présence fait peur à certaines personnes. Je pense à ma famille. Mais j'aime bien être discrète. D'accord. Et effectivement, ou à haute voix, ou à l'intérieur, quand je choisis les légumes, quand je. C'est un jeu. C'est pas Ce qui me fait plaisir. un petit peu pas dangereux, le mot est peut-être fort, mais de toujours demander un petit peu l'aide ou l'autorisation des anges pour pouvoir aller vers tel ou tel chemin, on peut devenir fou, non? Oui, non. Première chose, jamais autorisation. Ça, c'est moi. Hein? D'accord. Non, je le fais quand c'est agréable, c'est pas pour toute chose. Il y a des parties entières où ils sont pas invités, hein, avec mon compagnon, on fait J'espère pas. bien. Ben, effectivement, ce genre de choses. Donc, non, c'est ou quand vraiment je vois pas clair, et à vrai dire, mon intuition, la clarté, le GPS est assez clair pour moi. C'est que quand je suis très fatiguée. Je fais appel pour avoir de la clarté parce que c'est la fatigue qui me montre que je ne suis pas en pleine capacité d'opération, pleinement opérationnelle. Mais non, je le fais dans la légèreté pour être toujours connectée. Et je vois les 4-4-4 ou 9h44, 10h44, et je dis, je vous ai vu. Hein? Donc, c'est plus dans la légèreté. Absolument, je ne donne pas mon pouvoir aux anges ni à quelqu'un d'autre. Et toi, personnellement, toujours pareil, est-ce que tu as des dons de médiumnité, de voilà, clairvoyance, clairaudience? Ouais. Tu entends, tu vois des défunts? Quand je parle de la médiumnité, j'utilise la définition plus vaste, c'est-à-dire une personne qui fait intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Bah, ça, c'est mon métier. C'est ce que je fais. Pour la plupart, je le fais en mettant les gens en connexion avec leurs anges, leur équipe angélique, mais parfois, dans ces séances-là, il y a des défunts qui se présentent Ah où la personne pose une question par rapport à comment va ma mère et j'ai la réponse. En général, je travaille pas avec des défunts parce que c'est pas comme ça que mon chemin est tracé actuellement.
Mais parfois, ils sont là et ils sont toujours bienvenus. Donc, pour moi, c'est clairvoyance, clairaudience, clairsentience et clairconnaissance ou intuition. Je l'enseigne, je parle de ça dans tous mes livres parce que pour moi, c'est une passion. C'est très, très important que nous, les êtres humains, nous reconnaissons qu'on n'a pas que cinq sens. Ces quatre sens que je viens de mentionner nous appartiennent à nous tous et c'est une question de les cultiver. Pardon, bien sûr, il y a des Mozart et il y a Catherine qui essaie de jouer la guitare à sa façon. Donc, on va jouer nos instruments différemment, mais c'est fait pour. Et c'est beaucoup plus facile à communiquer avec le monde angélique et avec nos âmes quand on réouvre les portes à ces capacités que le monde nous a fait fermer. Si on arrive ici sur Terre, grande ouverte, prête à aimer et rayonner, et puis, oh shit, oups, on prend un pas en retrait, on ferme pour se protéger, on cache notre lumière. Bah, quand on fait ça, on ferme aussi ses capacités, un peu beaucoup à la folie. Donc, tout ce que je fais, c'est pour réouvrir les portes et pour réouvrir le canal. D'accord. Ce que tu dis aussi dans ton livre, c'est que l'amour est, enfin, l'inverse de l'amour, c'est la peur. Enfin, pour moi, c'était la haine, mais non, ce n'est pas ça. Bah, moi, j'ose dire que la haine, c'est toujours l'expression violente et brutale de la peur. Il n'y a jamais une haine tant qu'il y a une peur derrière. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est la peur. Mais effectivement, si on utilise l'exemple, on arrive ici sur Terre Ouais, prête à aimer pour ça que j'ai dit ça. l'expression de la force. Et puis, oh, ça se fait pas trop ici. Voilà. C'est comme si on met la main dans le feu et, aïe, je referai pas ça. Effectivement, notre amour est diminué que par la peur. Et effectivement, dans ce monde qui vit dans la peur, qui est fondé dans la peur, ça change, ça évolue maintenant, on y va, n'est-ce pas? Oui. Mais effectivement, dans ce monde, ça devient normal d'être dans cette je me défends. Et très vite après ça, si je me défends, c'est vous qui êtes mal et nous qui sommes bien. Et tout ça. Donc la haine, absolument, mais Une expression de la c'est peur aussi, voilà. est brutale et violente. C'est la plus forte expression de la peur. Donc son expression est l'inverse de l'expression de l'amour. On est d'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on passe aux questions des internautes? Ah, avec Alors, plaisir. avant de passer aux questions des internautes, j'ai des petites annonces à faire parce que maintenant je fais un petit peu de publicité pour mes ateliers, donc j'en profite. Alors, on va commencer par le lundi 22 novembre, donc c'est le retour de l'atelier de Manuela sur les libérations des mémoires transgénérationnelles. Alors, je vais citer ce que dit Manuela. Lors de cet atelier, vous irez à la rencontre de votre héritage transgénérationnel, de vos aïeux et leurs messages, s'il y en a. Et vous mettrez en lumière les forces et les faiblesses de celui-ci pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus. Vous repartirez avec les clés pour mieux vous comprendre afin d'incarner votre essence unique et devenir enfin vous-même. Alors, donc cet atelier, il est le lundi 22 novembre. Le prix de l'atelier, c'est 100 euros. Alors, on va continuer avec Patricia Monteau. Alors, Patricia Monteau, elle aussi, c'est pareil, elle communique avec les anges. Donc c'est le premier atelier que je fais avec Patricia. Donc un atelier qui va faire écho donc à l'émission d'aujourd'hui. Patricia va vous apprendre à traduire précisément ce que les anges ont à dire. Il s'agit d'une forme de dialogue accessible à tous, le dialogue miroir, qui se pratique en quatre étapes. Elle vous accompagnera durant toute cette traversée à la rencontre de vous-même et de votre ange. Le prix, c'est 20 euros. Voilà, c'est donc le 23 novembre, mardi 23 novembre. Donc pour s'inscrire, il y a le lien des ateliers qui est dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant on va m'envoyer le petit générique des questions et puis Christelle m'a envoyé toutes les belles questions que je vais collecter. Voilà, merci beaucoup Christelle, comme d'habitude, toujours super efficace.
Voilà, il faut que je retrouve les questions quand même. Voilà, c'est bon. Ouh là là, il y en a C'est beaucoup. Christelle. Christelle, c'est la plus forte. Ah, c'est la meilleure modératrice du monde. Ah oui, non, je suis. Ah ben oui, c'est sûr. Merci Tu Christelle. crois? Alors on commence par Catherine. Ben, c'est une Catherine qui t'envoie cette question. Bonsoir tout le monde. Comment savoir le nom de ces anges et comment les contacter, s'il vous plaît? Bon, comment les contacter? On en a un peu parlé, mais comment savoir les noms? Oui. En fait, ce que je propose quand je guide des personnes dans cette quête, c'est de fermer les yeux et s'ouvrir à cette présence et poser la question. Souvent, un nom vient tout de suite et souvent, notre mental rejette ce nom tout de suite. Ah. Mais non, ça peut pas être ça. Et ce que les anges me disent toujours, riante, c'est non, non, non. C'est bel et bien le premier qui est venu. Et le fait qu'on résiste à ça, ça montre l'ego qui veut pas. Donc, on utilise ce nom. Souvenons-nous que les anges sont déjà là, ils attendent que ça. Et le nom que nous utilisons, c'est pour ouvrir la porte à la communication. Donc, on ne peut pas se tromper, même si on l'entend mal ou si on a l'intention du cœur de parler avec nos anges gardiens, avec notre ange gardien, bah, la réponse est là. Et donc, je connais même les personnes au fil du mouvement. Il y a d'autres anges qui sont venus dans l'entourage, ce que j'appelle la présence gardienne. Et donc, il peut y avoir d'autres qui s'ajoutent, d'autres noms qui se présentent. Mais le premier nom qui vient, bah, luttez pas contre ce nom. Si ça vient pas tout de suite, attends pendant les jours qui viennent. Parce que parfois, quand on veut tellement, c'est comme si énergétiquement on le repousse. Ok, on continue avec Rosa. Bonsoir à tous. Quel regard les anges de Catherine posent sur cette période particulière que nous traversons? Je l'attendais, cette question. Oui. Donc, plusieurs choses, parce que j'ai ressenti la question en deux parties, donc les réponses sont venues en deux parties. La première chose, c'est global. Nous passons dans une période de pont, une période de changement. On passe du monde d'avant qui était fondé dans la peur et donc la défense et donc l'avarice et qu'est-ce que je peux prendre pour moi et la protection et le contrôle. Et on va vers le monde d'amour qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus dans l'unité et le mouvement ensemble. Le mouvement à travers ce pont fait en sorte que il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ne trouvent pas leur place parce que le monde n'a pas changé encore. Ils sont déjà prêts pour le monde qui va arriver. Et il y a des personnes qui résistent à tout prix les changements qui sont nécessaires. Et donc, ça fait mal. Et ça crée ce monde de division. La division, la séparation s'est exacerbée à cause de cela actuellement. Le mouvement n'est pas encore fait. C'est clair. Et donc, les tensions vont continuer. La clé pour vivre bien le mouvement, c'est de nous-mêmes être dans l'alignement et la fluidité, de résister à rien ou très peu. Ça, c'est le mouvement global et c'est pour ça que beaucoup de personnes, maintenant, on en parlait un peu avant, ont envie de changer métier, job, relation et tout ça. Il y a un vrai changement qui est l'appel ce monde après, ce monde amour. Pour être plus clair par rapport à une question qu'on me pose tout le temps, donc je vais répondre même si c'était pas précisément ça, c'est par rapport à et ça va, bon, je transmets et c'est tout, par rapport à COVID et toute cette situation. COVID, c'était un cadeau du ciel parce qu'il fallait nous ralentir, il fallait nous faire face à nous-mêmes. Il y a des personnes dans le silence face à nous-mêmes, ça leur a rendu mal à l'aise. C'est ceux qui sont plus attachés au monde d'avant. Et il y a d'autres personnes qui se sont réveillées dans cette silence calme, cette période de grâce. Période de grâce, maladie, oui, c'est tout à fait possible. Souvenons-nous que le monde continue même après qu'on quitte ce monde, peu importe la raison. Cette question de vaccination
et un mouvement qui nous sépare davantage. Donc, ce que j'ai pu comprendre dès le début, et vous prenez pas, bien sûr, c'est qu'il faut s'écouter son cœur et être en accord, en harmonie avec lui-même. Mais l'idée, c'est que la séparation et la peur, le jugement, ce sont nos ennemis. Pas le la maladie et pas le vaccin. Pas les non-vaccinés, pas les vaccinés. Toute ça, cette séparation, c'est pas réel et c'est néfaste. Donc, suivons-nous nos cœurs et ne jugeons pas les autres pour leurs décisions. Très bien. C'est quand même optimiste. Tu es optimiste pour l'avenir? Oh, très, très. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Parfait. Ça me va. Moi aussi. On continue avec Yvonne. Comment savoir combien d'anges nous aident et comment formuler correctement nos demandes le plus simplement au bon ange? Bon, et a priori, on pouvait, j'ai posé la question tout à l'heure, on pouvait poser la question un peu à la cantonade et le bon ange viendrait donc nous aider. Oui, ça rend les choses plus simples. Il ne veut pas créer des obstacles de plus. On a déjà suffisamment d'obstacles vis-à-vis notre relation avec l'invisible. Donc, par rapport à combien d'anges on a, on peut me contacter pour une séance, je lui dirais, mais non, je blague. Je le fais, mais en général, une fois qu'on s'ouvre, déjà d'avoir une connexion avec la présence gardienne. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Mais souvenons-nous que chaque ange est une expression de la source. Donc, il y a une unité derrière eux aussi. On ne peut pas se tromper. Et ce n'est pas... Ça change quoi s'il y a deux ou trois? Si je me fie à une présence qui est la source exprimée, une présence d'amour, une présence éternelle et infinie et puissante, c'est le mental qui veut savoir exactement et il est quelle couleur. Et oui. Donc, pourquoi pas, dans un premier temps, entrer dans un silence qui nous rassure qu'ils sont là déjà. Et au fur et à mesure, on capte davantage des signes parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il y a des signes, n'est-ce pas? Et on pose des questions au fur et à mesure. Ça, comme avec quelqu'un qu'on rencontre, on aime bien au début, mais au début, on ne demande pas toutes les questions qu'on veut. Hein? On attend un peu qu'il y ait un niveau de confort, que les choses se clarifient, qu'on est plus confortable. Donc, laissez-vous guider parce que tout ce dont on a besoin en termes de réponse viendra. Et ça, toujours. Ok, il faut écouter, quoi. Il faut être un petit peu attentif. Oh, j'aime pas le « il faut ». Ah, il j'aime faut, d'accord. J'aime pas le « il faut ». Que ce soit un plaisir de le faire. Mm. Parce que s'il y a un « il faut » ou « je dois ouais. », il y a une peur derrière. Complètement. Pourquoi « il faut » ? Parce que si je ne le fais pas, je... X, Y et Z comme résultat. Donc, si on a envie, pourquoi pas passer du temps et jouer avec eux. Et les réponses dont on a besoin viennent toujours. Ce n'est pas toujours les réponses qu'on attendait, par contre. Et toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu demandais à l'ange, aux anges, qui t'envoient des réponses comme si c'était un écolier, quoi, un bébé, que tu puisses comprendre de suite. Ah ouais, quand j'ai commencé ce chemin d'une manière claire, j'ai demandé, parce que je n'étais pas du tout confiante dans mes dons. Je savais que j'avais des trucs, mais je ne savais pas trop quoi et comment. Et donc, je n'étais pas confiante. 22 ans dans une banque, c'est compréhensible. Je me pardonne. Mais effectivement, au début, j'ai dit, OK, mes anges, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, rendez les réponses tellement claires que même un idiote ne peut pas le rater. Et ils sont super drôles, hein, parce que maintenant, je suis capable de capter des choses subtiles. Mais non, ils continuent à m'envoyer des exemples tellement clairs que je ris à haute voix. Presque, tu la jures. Tant mieux. C'est pas mal, ça. Michel qui pose la question suivante. Ah, Michel que j'ai invité il n'y a pas très longtemps. C'est lui qui pose la question. J'embrasse Michel Dourte.
Voilà. Alors, Michel. Michel qui demande, avons-nous toujours les mêmes anges en protection toute notre vie? Plusieurs choses. En protection, c'est ce qui me fait hésiter. Donc déjà, je vais répondre à la question sans en protection et après je vais dire un mot D'accord. par rapport à la protection. Effectivement, il y a parfois, il y a des personnes qui ont une présence gardienne, un ange gardien toute la vie et ça sert à ça, c'est excellent. Mais souvent, je rencontre des personnes qui a plusieurs et il y aura un ange qui était là quand le début de la vie a été dur, un ange qui est là pour la culmination, l'expression en plénitude de la mission. Il y a un ange qui est là pendant cette période dure ou peut-être pour soutenir la créativité, etc. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs loups de Dieu, plusieurs anges qui nous accompagnent à des périodes différentes de la vie. J'ai hésité par rapport à la protection parce que, oui, les anges peuvent nous aider en nous protégeant. Mais l'idée, ce n'est pas d'être dépendante des anges. L'idée a toujours été qu'on se met debout tellement qu'on n'a plus besoin de la protection. Que notre présence et présence P majuscule installée. Et donc, c'est nous qui impactons positivement le monde autour de nous et pas l'inverse. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'hésite avec la protection. Ils peuvent nous protéger. Quand je suis fatiguée, je demande la protection. Mais pour la plupart, je ne suis pas fatiguée parce que je dors bien. Et dans ces cas-là, la protection, ben, il n'y a rien à en risque. Les anges gardiens, c'est quand même leur fonction, non? De nous protéger. Moi, je dis que ça fait partie de leur fonction, mais plutôt c'est l'expression de la source qui nous accompagne pour soutenir notre mission. Nous ne sommes pas des tout faibles, nous sommes beaucoup plus puissantes qu'on nous a dit. Et une fois qu'on s'aligne consciemment et on est clair par rapport à cette puissance, par la protection, c'est pas nécessaire, les anges ne disparaissent pas. En fait, ils sont là pour soutenir notre mission, pour soutenir le pourquoi on est là, pour nous rappeler de notre propre lumière et notre puissance. Ok, Ange-Marie, rebonsoir la famille. Bonsoir Ange-Marie. Les anges Quel se... prénom! Il y en a beaucoup en Corse, dit Ange-Marie, hein, d'ailleurs. Ah. Les anges se manifestent-ils physiquement en cas de danger? Là, on parle évidemment des anges gardiens. Et là, j'ai connu plein de... Enfin, j'ai eu plein de témoignages d'anges gardiens qui ont sauvé des gens, même parmi des gens que je connais. Bon, alors donc, vas-y, à toi. Ah oui. Donc, je vais juste dire oui. Non, Ben voilà. je vais Non, aller un excuse-moi d'avoir petit répondu un peu à ta peu. place. Non, 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 je vais aller J'avais juste tellement envie de un répondre. petit peu. Mais c'est excellent parce que c'est aussi courant que ça. La seule chose que je voulais ajouter, c'est que notre libre arbitre est respecté. Donc, les anges n'interviennent pas sans qu'on demande, sauf si il y a une situation de risque mortel et c'est pas encore l'heure. Et quand ça se fasse, oui, les anges interviennent. Et souvent, c'est un point marquant sur le chemin de vie de la personne parce que c'est carrément c'est le réveil qui Oui, sonne. mais c'est ça, complètement, complètement. Moi, je suis sûre que la dame qui est entrée dans la banque avec la pierre. Allez, voilà, la mienne, voilà. Ah ouais. On leur a fait, ils sont à Miami maintenant, ça y est. Voilà, ils sont des potes. On continue avec Claudine. Les anges sont-ils toujours une émanation christique? Si l'on ne croit pas en Dieu, un ange nous protège-t-il quand même? J'adore cette question. Parce que les anges n'ont rien à voir avec la religion. L'énergie christique, je reconnais, j'ai grandi dans la chrétienté, c'est ma culture, mais l'énergie christique n'est pas limitée au voyage sur terre de notre ascensionné Jésus. L'énergie christique, c'est l'énergie de la source, c'est la lumière, c'est l'amour sans fin et sans rien qui le diminue, c'est la vérité. Et donc cette énergie-là,
c'est la matière de chaque ange, parce qu'un ange n'est pas un intermédiaire qui fait des allers-retours. C'est la source qui tourne sa main dans la densité pour rendre la connexion plus simple. Donc, oui et oui et oui, on est toujours accompagné, tout le monde, d'un ange. C'est l'énergie christique, effectivement, et c'est complètement hors le contexte de religion. Tant mieux. On continue avec Michel. Michel Dourte. Donc, différence entre ange et guide, est-ce que c'est la même chose? J'aime bien parler de ça, et je crois que c'est dans l'agir avec les anges, mais merci de la question. Oui, c'est pas la même chose. Je vais donner, quant à moi, c'est pas la même chose, je vais donner les précisions. Donc, pour moi, un ange, c'est une expression de la source, et ça n'a pas eu des vies, un cheminement de vie eux-mêmes. C'est la source qui s'exprime, donc il n'y avait pas de vie avant. Les guides avaient des vies, ou sur Terre, ou ailleurs. Et les guides tombent en deux catégories. Les guides des personnes qu'on connaît, ou les personnes de la famille qui sont déjà parties, les personnes humaines qui cheminent toujours, même s'ils sont plus dans la forme, dans la matière. Et aussi les maîtres ascensionnés avec qui on a une connexion qui peut être guide pour nous. Eux, ils sont à la fréquence de la source parce qu'ils se sont réalignés avec, mais les deux sont considérés guides. D'accord. Là, c'est une question bah, ça, qui fait un petit peu la suite de cette question. À quoi sait-on, quand on ne le distingue pas, un ange d'un autre et des archanges? D'ailleurs, pour vous, y a-t-il une vraie hiérarchie ou simplement des secteurs d'activité? J'adore cette question. Maëlys Moi, pose toujours des très bonnes questions. ah, merci beaucoup à elle, c'est super. Dès le début, c'est le genre de question que j'ai posée et les éclaircissements étaient tellement clairs, tellement vite. La hiérarchie nous appartient, nous les êtres humains. On aime bien dire que ça c'est plus haut, ça c'est mieux, ça c'est plus grand, c'est plus vaste. Mais on parle de la source qui s'exprime en plein de manières, mais c'est toujours et surtout la source. Donc, il n'y a pas une hiérarchie, c'est les différences, c'est fonctionnement. Donc, c'est un peu ce que la question a dit à la fin, c'est métier, c'est l'objectif, C'est ça. pourquoi on est là. Le secteur d'activité, dit Maëlys. Secteur d'activité. C'était tellement bien dit, j'ai regretté ne pas avoir eu la phrase correcte. Oui. Je te pique cette phrase-là. Excellent. Secteur d'activité. J'adore. On continue avec Yvonne. Est-ce que les anges et les archanges sont en lien avec nos défunts? Bah oui, parce que les anges et les archanges font partie de la source et nous et nos défunts aussi. Donc, il y a nulle part où Dieu n'est pas, il y a nulle part où la source ne s'exprime pas. Et donc, il y a une connexion bien claire et forte. Cette connexion est plus claire pour eux parce qu'ils ont déjà quitté la densité où les choses sont pas claires. D'accord. On continue avec les ailes d'Héliora. Comment faire ses premiers pas pour aider les personnes avec les anges? Comment avez-vous fait pour trouver vos premières personnes en besoin d'aide? Ah. Moi, j'ose dire, si on pose la question, et probablement, très probablement, si vous écoutez cette interview, vous avez déjà aidé les personnes, n'est-ce pas? Vous êtes très probablement, il y a des fortes chances, ce que j'appelle des artisans de lumière, donc vous êtes déjà lumineux et vous attirez déjà des personnes, et très probablement, vous l'avez fait depuis que vous étiez petite. Pour moi, c'est un peu drôle l'histoire. J'ai fait une formation avec quelqu'un qui s'appelle Doreen Virtue. Je suis allée à Hawaï. J'ai bien aimé ses livres. Bah, j'irai, je vais voir ce que ça donne. Et j'étais certifiée par elle, mais j'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit avec le public. J'ai quitté la banque, mais je savais pas où vers quoi j'irai. Et je ne savais pas que ses livres étaient traduits en français. J'étais mise sur son site, j'étais la seule en France, et mon téléphone a commencé à sonner. Et c'était, et allô? Oui, c'est Catherine Hudson. Oui, j'ai fait cette formation avec Dorine.
Ah, vous voulez une séance? Non. Non, je suis désolée, j'ai fait la formation rien que pour moi. Mais bonne continuation. Au revoir. Et pendant des mois, ben j'aurais. Non, ben non. Pendant des mois, j'ai dit non. Et puis un matin, parce que ça fonctionne souvent comme ça chez moi, je me suis réveillée avec le. Ah, je suis censée dire oui. Ben, ok, d'accord. La prochaine fois que ça sonne, je dirai oui. 20 minutes après. Et allô? Oui, c'est Catherine Hudson. Oui, j'ai fait cette formation, oui. C'est moi. Ah, vous voulez faire une séance? Excellente. Oh, vous voulez fixer le rendez-vous maintenant? Génial. Super. OK. Je vous verrai bientôt. Clic. Donc, c'était un peu poussé sur moi la nuit avant ce rendez-vous. J'étais dans un état. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est la nuit avant, je commence à me préparer. Ben, je dis, OK, assurez que la personne reçoive ce dont elle a besoin et que je ne fais pas de je fais pas d'erreur. J'avais peur, c'était la première fois. Mais le lendemain, j'ai ouvert la porte et dès que j'ai ouvert la porte, je connais cette première personne, c'est comme ça. Elle est entrée, c'était fluide et je savais que j'étais plus banquière. Je savais que c'était ma place. Elle pleurait, moi je pleurais, on a pleuré. Donc, je réponds plus précisément après avoir dit tout ça que d'une manière formelle, aider des personnes quand on est prêt ou prête. Ça arrive. Ok, on continue avec Maëlys. Pardon, j'ai Non. fait long. Tu voulais être actrice aussi, non? Ah Eh oui, oui, j'aurais bien aimé être j'ai comédienne. vu tes talents, c'est pour ça. Ah ouais, c'est comme ça. Maëlys, donc, qui dit: est-il juste de s'adresser à l'ange de quelqu'un pour mieux pouvoir l'aider? Oui. Souvenons-nous que l'ange est une expression de la source. Et donc, par exemple, quand j'enseigne comment faire une lecture de cartes avec les anges, je propose à mes élèves de demander aux anges de la personne de nous indiquer les cartes qu'il faut. Oui, absolument. Bonne question. Ok, on continue avec Claire. Comment ressentir qu'on est à sa place et maintenir cet état de flow que vous évoquez? Bah, dans un premier temps, il faut être très connecté à notre corps et faire attention aux mouvements subtils qui font en sorte qu'il y a une tension ou pas. On peut regarder notre souffle. Est-ce que c'est aisé ou est-ce qu'on retient notre souffle? On peut ressentir, regarder nos émotions, ressentir nos émotions. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis dans la joie? C'est vraiment l'instrument, le corps, c'est l'instrument qui est fait pour nous guider vers le lieu, les personnes, le mouvement, le sweet spot, le flux. Donc, ce sont des astuces qui sont sans faille. Faisons attention à ce que la tête nous dise. Ça, c'est dur. Tu as des trucs pour un petit peu switcher la tête, switcher Ouais. l'inconscient. Ce que j'adore faire, ce qui a marché pour moi et tout ce que je propose dans mes livres et les stages, c'est que des choses qui marchent pour moi. Peut-être ça va aider. Je taquine. Donc, c'est pas que la voix s'est arrêtée complètement. Bah, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais quand il y a oh, mais. Je dis, ah, c'est adorable. Oui, d'accord. Mais j'y vais quand même. Et donc, c'est apprivoiser la voix ou les voix. Apprivoiser, ne pas juger, mais ne pas écouter et ne pas le prendre au sérieux. J'ai trouvé ça a révolutionné le discours intérieur. Le corps a plus raison que le mental. Beaucoup plus fiable. Dans notre corps, notre chemin est semé. D'accord.
C'est pour ça qu'il y a des choses qui, bah, si toi et moi ou si les gens qui écoutent, si on regarde une opportunité, moi je vais peut-être faire oh! Et les autres, vraiment? Ou une pierre, ou une chanson. Ce qui nous attire, le corps réactionne parce que c'est en accord avec le semence. Nos instruments étaient accordés pour la mission avant la naissance, donc beaucoup plus fiable. Ok, Enfin. on continue avec qui? Avec Maïlis, hein, une autre question de Maïlis. Peut-on se fier au livre et à la dénomination qu'en fait Haziel en 72 périodes couvertes par 72 anges aux qualités supposément spécifiques? Ouh là là, là je suis perdu. Peut-être que toi, non. J'adore cette question, c'est excellent. Ce que je dis par rapport à cette question, ce n'est pas la première fois qu'on me demande, c'est le suivant. Si on est attiré vers un livre et quand on lit ou si on ouvre le livre, on est attiré et on a une réaction à ce qui est écrit, c'est pour nous. Si on n'est pas attiré par un livre, c'est parce que ce n'est pas pour nous. Donc, on peut avoir, pour les cristaux, c'est la même chose, mais sur les anges, on peut avoir 50 livres, plus que ça, probablement. Ce n'est pas à dire qu'il y a, et ils disent pas la même chose. Ce n'est pas à dire qu'une personne a raison ou l'autre personne a tort. Chaque personne exprime la vérité, traverser leur canal, leur instrument, et partage cela. Les résonances avec notre instrument vont nous attirer. Et donc, pour moi, les 72, super pour les gens qui aiment, c'est pas trop mon truc, mais je reconnais la vérité là-dedans. C'est juste pas en harmonie avec mon chemin à moi. Donc, écoutez vos instruments et ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ok, Ange-Marie, est-ce que le sifflement d'oreille est un signe que notre ange veut communiquer avec nous? Si oui, comment lui répondre? J'ai toujours des heures miroirs, ce sont eux? Merci. Heures miroirs, sifflement d'oreille. Donc elle connaît déjà la réponse, mais je vais répondre quand même parce que peut-être il y aura d'autres. Oui, effectivement, ce sont les anges. Les signes comme les heures miroirs ou les répétitions, moi avec les 4, 4, 4 et tout ça, ou les plumes ou autre chose, sont des signes visuels. C'est un peu comme je disais avant, ils attendent qu'on entre en relation, donc ils nous balancent ces choses. Les acouphènes, par contre, parfois c'est ça et parfois c'est des problèmes d'oreille. Donc, dans ton cas, excusez-moi, je tutoie tout le monde, Non, mais mais dans, vas-y. la personne qui a posé la question, effectivement, dans son cas, c'est un download. Les acouphènes sont le résultat de l'inspiration, communication qui vient de là-haut. Ça vient à une fréquence très haute. C'est fait pour ne pas traverser le mental, parce que le mental n'est pas dans l'espace qui peut l'accueillir. Et voilà pourquoi c'est acouphène. D'accord. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, les acouphènes de ce genre-là diminuent avec le temps. Ok. On continue avec Michel. Faut-il avoir toujours un taux vibratoire élevé pour être connecté à son ange? Moi, je dirais oui et non. L'ange va être toujours connecté avec nous, même quand j'étais dans des lieux au Brésil, des favelas du Brésil, mais dans le Bronx. J'ai passé à travers des coins très sombres et ils étaient toujours là. Est-ce que moi, j'étais consciente? Moyen. Parfois, oui, mais souvent, non. Je n'étais pas tournée dans leur sens. Là où va l'attention, va l'énergie. Donc, si on est en basse fréquence et on tourne notre regard vers les anges, ça nous élève de cette taux vibratoire. Oh, c'est difficile de dire. Cette basse fréquence. Voilà pourquoi je le dis ainsi. Donc, effectivement, ça nous élève la fréquence, la taux vibratoire. Et donc, c'est pour ça que je dis oui et non. Parce qu'une fois qu'on se concentre sur les anges, là où va l'attention, va l'énergie et ça nous élève. Ok. J'ai répondu à la Ah question, je oui, bien sûr.
On continue avec H6-7-B. Voilà, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Okay. Bonsoir Christelle, Philippe, Catherine, une question. Alors tu as déjà un petit peu répondu quand même tout à l'heure, mais bon, on ne sait jamais si tu apportes un petit complément. Okay. Comment savoir si les messages extérieurs viennent des anges, de notre guide spirituel, du divin, ou de notre soi divin, ou de notre inconscient, ou de notre mental? Ça, c'est moi qui Oui. rajoute, hein. Mais non, j'ai bien entendu, mais c'est presque une autre question. Je vais Oui. répondre à les deux. Donc, en général, l'ouverture pour accueillir des messages des plus hautes. Donc, le soi divin, c'est-à-dire l'âme, qui fait partie de la source, les anges qui font partie de la source, les guides qui font partie de la source. Donc, à la base, on parle de l'accueil, de la guidance de là-haut. Et donc, au fur et à mesure, ça devient clair de qui il s'agit, mais est-ce que c'est important? Parce que peu importe qui c'est toujours la source derrière. Donc, plus qu'on est en connexion avec le moi supérieur, avec mon âme, ou plus que je suis en connexion avec les anges, ou plus que c'est en connexion avec une guide, maître ascensionné, dans ces cas-là, probablement, ça vient à travers le courant qui existe déjà parce que je le pratique. L'autre question qui est connectée, que j'entends souvent, c'est comment puis-je savoir si le message que je reçois vient de moi, l'ego, ou si c'est vraiment un message qui vient comme une guidance de là-haut. Et je passe le truc qui m'a plus aidée. Si c'est surprenant, ça vient pas de moi. D'accord. Si c'est surprenant, c'est pas la mienne. C'est vraiment une guidance. Et moi, je trouve que c'est la plus vite, et c'était pour moi le plus aidant au fur et à mesure jusqu'au moment où les choses sont devenues plus claires. OK. On continue avec Maïlys, beaucoup de questions aujourd'hui, très intéressée par les anges. Alors, il paraît que l'on a trois anges, un perso qui nous suit tout le temps et d'autres plus ponctuels. Confirmez-vous cette version? Bon, tu as répondu aussi tout à l'heure, hein, un petit peu. Oui, bon, moi j'ose dire que ce n'est pas forcément le cas, mais à la base, tous les anges font partie de la source. Je vois des personnes avec une présence, un ange, et je vois d'autres personnes avec plus, ça dépend. Mais souvenons-nous que même un ange, c'est une expression de la source illimitée et infinie. Donc un, c'est largement suffisant. Quand je vois plus, c'est parce que il y a des aspects spécifiques du chemin de la personne qui sont soutenus ainsi. Tu vois les anges des autres? Oui, quand je fais des séances, je vois et j'entends. Des consultants? Tu te Oui, concentres des pour les voir? consultes. Pardon? Tu te concentres, tu es en méditation pour les voir, les anges? Oui, et je commence la nuit avant parce que Ah. j'avais peur la première fois. Donc, je demande aux anges de venir la nuit avant pour mettre en place l'énergétique, la fondation de notre séance. Et puis, le jour même, avant la séance, je demande les messages qui sont là. Et c'est là où ça devient plus clair qui est là. D'accord. Ok. On continue avec Luna. Alors, je pose toujours cette question, mais comment font ces archanges pour répondre à des millions de demandes en même temps, le cas échéant? J'adore la question, merci beaucoup. Et je ris parce que ben, on reconnaît la question, n'est-ce pas? Souvenons-nous que ce mental qui est le nôtre est très limité. Et je propose aussi qu'on considère la possibilité de la vérité que ce monde qu'on habite n'est pas ce qui est réel si ce qui est réel est éternel. Donc, on parle d'une expression de la source qui existe en toute chose et tout coin. Et donc, sans vraiment limite, peut répondre à beaucoup d'expressions en même temps. Donc, il n'y a pas de limitation, mais c'est un peu compliqué pour nous d'imaginer Oui, sans c'est ça le limite. truc. Ah ouais, c'est ça le truc. Nous, Donc, on c'est vivant dans la densité a que cette question a un sens. Ouais. Ouais. Eh oui, notre point de référence, c'est la densité, c'est le matériel. Donc, c'est pas Ouais. très évident à comprendre. En fait, moi, j'avais compris que c'est pour ça que les anges existent. Parce que pour nous,
avec cette pointe focus très limitée, communiquer d'une manière intime avec la vastitude, je sais, c'est pas un mot, mais j'aime, la vastitude de la source, c'est compliqué. Donc, les anges, c'est la main de Dieu, les anges, c'est une expression qui nous donne un portail, qui nous donne un accès plus direct. C'est pour rendre la connexion plus simple pour nous. Parce que oui, c'est un sacré. Ouais. Quel Donc, boulot! on comprend la question, hein. Ouais. Mais voilà, Catherine, c'était la dernière question. Alors, Ah, eh zut. oui. Oh, on pourrait durer encore des heures, hein. Alors, Ouais. merci, merci beaucoup, Catherine, pour ton enthousiasme, hein. Je pense Ah. qu'il a été contagieux. Je regardais un petit peu sur le chat. Tout le monde est très Ah, enthousiaste. super. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, bien sûr. Merci à Christelle, à Mathieu, Cyril, toute la team de On ne vous demande pas d'y croire. Alors n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous le pouvez grâce à vos dons via le lien PayPal qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire et je vous embrasse évidemment très fort. Merci pour vos 43 857, c'était juste avant le début de l'émission, 43 857 abonnements. Je le répète, mais c'est en grande partie grâce à vous que je fais cette émission et vous êtes ma source de motivation. Donc continuez à vous abonner et moi, ça va continuer à me motiver. Excellent. Merci, Merci à merci tous. beaucoup. Je te Merci, laisse le Philippe. mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose. Un petit au revoir. Ah, oh, c'est gentil. Merci, Philippe. Ton travail me touche tant et on se réveille grâce à ça. Merci beaucoup. Si vous avez envie de commencer la journée avec une minute message des anges tous les jours, je suis sur Insta et aussi Facebook Pro. Au plaisir. Mais merci à chacune et chacun parce que votre rayonnement, c'est ça le chemin à travers ce pont dont on a parlé. Merci énormément. Merci, merci Catherine, merci à vous tous. Je vous embrasse.